Salut, dans cette vidéo, on va parler des roulements à billes. Comment mesurer le roulement à billes et quel outil utiliser pour la maintenance et le contrôle des roulements à billes. Alors, l'outil de mesure du diamètre intérieur et de contrôle du roulement, c'est celui-ci. Je viens de le recevoir. C'est un outil en aluminium. On le trouve en doré, en gris anodisé, en bleu. L'outil, il coûte moins de 5 euros. Après, il y a une gamme de prix en fonction des marques. Donc, ça peut aller de 5 à 25 euros à peu près. Alors, il est constitué d'un manche. Ici, il est très léger. Cet outil doit faire 10 grammes. Il a un manche creux. Il est allégé ici. Et ensuite, on a les diamètres de mesure. Alors, on va faire un exemple ici. Dans le cadre des cotations de roulements à billes, ici, ce sont des roulements, par exemple, de cloche 5, 10, 4 ou des roulements de kit 8, 16, 5. Alors, la mesure 8, ça correspond au diamètre intérieur. Alors, on prend l'outil, on va venir positionner le roulement ici. Et vous voyez, s'il s'arrête sur l'indication de cote 8, c'est que le diamètre intérieur fait 8. Alors cet outil, il permet également d'avoir un appui pour contrôler que le roulement ne gratte pas. On peut également s'en servir pour la maintenance. On va venir mettre une goutte d'huile du côté non flasqué sur le roulement et s'aider de l'outil pour faire pénétrer l'huile dans le roulement. Voilà. Donc, la deuxième cote 8-16, c'est le diamètre extérieur. Alors à ce moment-là, il faut un pied à coulisse et vérifier que notre roulement fait bien 16 de diamètre extérieur. La dernière cote, 5, ça va correspondre à l'épaisseur du roulement. Ici, on a bien 5, un petit peu moins, mais bon, à quelques dixièmes, c'est bon. Voilà, on va mesurer un autre. C'est le même, c'est un 8, 16 par 5. Voilà. Ils font tous un petit peu moins et il fait bien 16 en diamètre extérieur. Et 8 en diamètre intérieur. Voilà, c'était la vidéo concernant l'outil de mesure et d'entretien des roulements à billes. À très bientôt.